Aujourd'hui, on commence notre séjour en baie de Somme où on va rester 4 ou 5 jours. Bon, aujourd'hui, comme vous le voyez, il ne fait pas très beau, mais je crois que dans les jours suivants, ça va être un petit peu la même chose. Là, on est à Cailleux. Cailleux, c'est à l'entrée de la baie de Somme. Tu vois des goélands? Non. Bon, aujourd'hui, on est parti pour faire le tour de la baie de Somme. Ça fait à peu près 55 km. Aller-retour, bien sûr. On va partir de Cailleux, là où on a dormi, et puis on ira jusqu'au Crotoys, le Crotoys, en passant par Saint-Valery-sur-Somme. Là, on va arriver à Le Crotoys, qu'on aperçoit juste en face. Allez, il n'a plus que 5 km et on sera à Cailleux où on a laissé le camping-car et on va redormir cette nuit. Aujourd'hui, on va faire une visite guidée de la baie de Somme sur la réserve qui est juste derrière moi. Normalement, c'est une visite qui dure à peu près 2h30. Où on va découvrir la faune, la flore de ce paysage naturel. Là, on a la limite de la réserve. On voit du lilas de mer. Je ne connaissais pas le lilas de mer.
Donc ce matin, on a fait la découverte de la baie de Somme. On a vu les phoques notamment, et puis on a découvert aussi la végétation avec la guide qui nous a accompagnés. Et cet après-midi, on est à Port-Mahon. Port-Mahon, c'est une station balnéaire sur laquelle il y a de magnifiques plages. Observation des oiseaux. Il y a beaucoup de moitrieuses. Beaucoup de goélands, mais énormément de moitrieuses. Et ça se chamaille. Nous sommes à l'abbaye de Valloire. L'abbaye de Valloire, c'est une abbaye cistercienne qui est environ à 20 km de la baie de Somme. On a pris une visite guidée pour pouvoir visiter l'abbaye. Et cette nuit, on a couché sur le parking de l'abbaye. Là, c'était très tranquille. On était tout seul, donc c'était parfait.